l'exposition S'agi, qui est consacrée donc aux sciences humaines et sociales. Et nous allons profiter donc de ce festival de la bibliothèque pour parcourir les salles avec pour fil conducteur trois voyages d'Henri Cartier-Bresson entre 1934 et 1954. Pour illustrer ici, dans cette salle J, cette effervescence du Mexique dans les années 30, donc, nous avons choisi de présenter rapidement un ouvrage qui est un catalogue en fait, du Musée du peuple mexicain, qui est un musée d'ethnographie fondé en 1865 et qui, est, dans les années 30, est en cours de transformation, de métamorphose. On possède ici un exemplaire de la traduction française de ce livre, La nuit de Tlatelolco, qui est un livre culte aujourd'hui au Mexique, qui est à la fois donc un reportage, enfin un documentaire d'histoire orale sur les massacres de Tlatelolco en 1968. Et ce livre donc d'Elena Poniatowska est une collection en fait de témoignages et de photographies. C'est un documentaire absolument terrifiant sur la répression en fait d'une contestation étudiante qui a lieu quelques mois avant les Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. Le deuxième voyage important de la carrière de Cartier-Bresson, c'est évidemment son voyage en Inde. À cette occasion, il rencontre Gandhi. Et ici dans la salle, donc, nous avons une collection intéressante en fait autour de Gandhi, qui va à la fois de l'ouvrage de vulgarisation illustré qui permet de faire le point sur cet athlète de la liberté, c'est celui ici chez Découverte Gallimard par Catherine Clément, qui contient justement les photographies de Cartier-Bresson. Pour aller plus loin, on a des ouvrages un peu plus universitaires. Son autobiographie, ici c'est la traduction française de 1950, juste après l'assassinat de Gandhi. Et puis la rencontre de deux grands pacifistes, la biographie du Mahatma Gandhi par Romain Rolland en 1924, qui est une œuvre classique du mouvement pacifiste. Ou par exemple la biographie anglaise, indienne, de référence, hein, la biographie de Nanda sur le Mahatma Gandhi, qui elle aussi est parue dans les années 50. Plus récent, plus grand public si on peut dire, c'est la biographie illustrée de Pramod Kapoor, qui paradoxalement ne contient pas d'images de Cartier-Bresson, mais qui est un livre assez remarquable par la qualité des illustrations et qui constitue une très très bonne introduction à la vie et l'œuvre du Mahatma Gandhi. Un dernier voyage en fait, qui est son voyage de 1954 en URSS. Il est le premier photographe occidental à obtenir donc un visa pour pouvoir faire un reportage photographique à Moscou. Alors sur l'URSS ici, nous avons des documents très classiques, l'histoire de l'URSS de Nicolas Wirth, qui est un classique des études universitaires, des biographies de Staline, mais ce que nous aimerions montrer, ce sont des ouvrages qui sont plus anciens et qui sont intéressants parce qu'ils montrent l'évolution donc des possibilités d'utilisation de la photographie. Il s'agit de la collection de guides touristiques Petite Planète, paru aux éditions du Seuil, donc, qui propose des guides touristiques à vocation socio-ethnographique. Et dans le livre concernant l'URSS, on trouve des photographies de Cartier-Bresson. Petite Planète donc, est une collection qui est disponible ici en Salgy par l'intermédiaire de Gallica Intramuros.